Cessez de se laisser distraire par des choses qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Mesdames et messieurs, comment nous y est, c'est amis ou frères, Jérôme G. Benz, Boss Benz. C'est toujours avec un grand plaisir pour montrer la caillou, pour me présenter l'émission ça. Et nous avons commencé l'émission ça pour nous dire que nous avons salué tout le monde qui a aimé Boss Benz Show, tout le monde qui est sur Internet là, tout le monde qui est aux États-Unis, au Canada, en France, partout dans le monde, qui est en Haïti, qui aime Show ça. Nous avons une belle émission, nous avons gagné avec nos bouchées d'or, et nous avons une belle bagarre qui est venue, nous avons un bel sujet, nous allons débattre avec Lili dans l'émission ça, une autre surprise qui est venue, nous allons nous rester branchés, nous allons tourner. Bellman Steven, Beware the Beast, the Asian representative. Vous avez regardé Boss Ben Show, c'est le plus bon. Pas de l'autre bagarre encore, Boss Ben Show. That's what it is, baby. De retour après la pause, mesdames et messieurs, et je suis content d'être que nous avons même branché l'émission ça. Nous avons commencé l'émission ça pour nous dire people talk ou talking behind your back for three reasons. Nous avons parlé des dos pour trois raisons. Moi, je me dis ça déjà, mais bagages sont répétés pour être dans la tête. Voilà pourquoi il y a parlé des dos. Premièrement, il y a parlé des dos. Ça te fait, vous comprenez? Premier bagage là, c'est when they can reach your level. Il y a parlé des dos, c'est parce que nous n'avons pas arrivé dans le niveau il y a, si ça te fait voisin. Hein? Et cousin, famille, ces hein, ménages-là, l'autre monde, il a parlé des dos, et il a parlé parce qu'il n'a pas arrivé dans le niveau, il n'a pas parlé des vents, il a aussi parlé d'ailleurs. Et deuxième bagage qui fait, on a parlé des dos, when they don't have what you have. On a parlé des Boss Benz en mal, surtout, des dos, depuis des dos en mal, c'est parce qu'il n'a pas gagné son gain. Il a parlé des dos. OK, ça c'est tout deuxième bagaille. Troisième bagaille qui fait mon a pas le mal. L'aime dit parler des dos, il y a pas le mal, c'est parce que when they try to copy your lifestyle but they can't. Là mon a pensé ou gain diplôme que ou gain. Là mon a pensé acheter caille que ou gain, il pas qu'à acheter, il obligé. Là c'est copier ou il obligé à parler des dos. Même toujours dit parler en bien parler en mal. Parlez quand même. Voilà pourquoi m'a commencé l'émission ça pour me dire ça. Restez branchés, grand bonne l'autre belle bagaille qui vient dans l'émission ça. Hey, yo le wè tonton Bichat, wè Boss Benz Show, 1, show à solide, 2, show à copier en dans banque, 3, show à pas d'un fouet. Bon parler. Mesdames et messieurs, comment nous y est, comme te dit, l'aime ta fait commencer l'émission ça, m'ta bien avec moi yon invité, et nous toujours dit l'yon, puis là ici qui parti, malheureusement yon parti, yon pa jom tout en Haïti, puis yon mouri, gen la ganada, yon pa jom tout, mais nous gen moun qui grandit en Haïti, qui compte pour le Haïti, et puis yon décide, yon même pour yon redonner à Haïti, parce que Haïti c'est maman yon, voilà pourquoi nous gons en mille encore, nous parlons quitter, nous parlons la chance pour le présenter tête li, pour dire qui moun y est, c'est sûr que gen moun kap gita avec qui est, frère, comment nous y est? Comment nous sommes, Bosman? Non, en forme. Merci, oui. Mon nom, c'est Isaac Bosquet. Moi, je suis dans la communauté depuis presque 10 ans. Ok. Et je vis au Droit-d'Orient, précisément. Et moi, j'ai plusieurs projets de développement pour Haïti. Et je dis à présent, c'est une émission. Hein, c'est juste pour nous parler des projets de construction panneaux solaires et puis installation panneaux solaires que nous avons pour nous faire Haïti dans le mois d'avril. Et ah, 2018 là. Ok. Mais où t'es année passée, où t'es allé, où t'es passé dans quelques universités? Parlez un peu de l'année passée, comment ça t'est? Bon, année dernière, ça nous t'est organisé. Nous organisons une formation sur construction panneaux solaires. Nous t'est arrivé à construire des séries de types panneaux solaires que nous avons eu la possibilité pour nous recharger le téléphone. Nous t'est fait événement. Ça veut dire où t'es, l'autre dit où t'es organisé, où t'es montré comment faire ça? Exact, okay. Exact. Ça veut dire nous t'est arrivé à former 120 jeunes dans l'université Kiskeya. Formation ça t'est fait. Oui, nous t'est fait sur 3 jours. Nous avons fait la date qui était 26, 27 et puis 28 avril 2017. Et puis, la formation a été un succès. Année, ça a nous décidé de reprendre l'activité. Maintenant, pour nous faire plus de monde en Haïti bénéficier, nous avons fait dans 5 départements. Ok. Ça veut dire, si vous comprenez bien, l'année passée, vous avez formé environ 120 personnes, c'est ça? Oui. 120 dans l'université Kiskeya. Exact. Vous avez montré jeunes ça, comment pour faire panneaux solaires, pour recharger le téléphone. Et année, ça, pour avril, vous avez décidé de faire un plus gros, vous avez fait dans 5 départements, vous avez montré jeunes haïtiens. C'est comment pour vous faire ça? Exact. Et année ça, comme si nous voulions améliorer. Parce que l'année dernière, nous avons fabriqué des petits panneaux. Année ça, nous avons décidé de fabriquer des gros panneaux. Okay. Panneaux 100 watts
que nous avons gagné pour assembler. Et puis après, ça, nous avons gagné pour nous faire une installation de 1 kW d'énergie. OK. Solaire. Je voulais lancer un message ça pour tout le monde qui est dans la diaspora. Au lieu où vous chaque mois 100$, 50$, 20$ pour les gens en Haïti, plutôt vous voyez comme Bali pour la formation ça, la qu'à apprendre. Parce que malheureusement, nous-mêmes en Haïti, au lieu de nous montrer comment pêcher, nous plus pour plaisir pour nous moun nan manger un poisson parce que nous gon problème nous pas quoi dans l'avenir nous quoi cool chaud quit ça veut dire que c'est très important au lieu où voyez la jambe moun chaque mois voyez comme pour aller apprendre un bagage qui ka bali manger dans quel département et ça a bien pour organiser puis dans qui date bon date et événement c'est 16 avril au 10 mai OK on a passé 3 jours dans chaque département et on a commencé dans le département l'ouest là on a fait le Port-au-Prince dans l'université dans l'université Kiskeya toujours on a retourné dans l'université Kiskeya dans le département sud et nous a et dans et avec spécialisien que c'est centre et diocésien et des pères salésiens c'est qui dans la ville locale. Okay. Et puis après, ça nous a appelé l'Artibonite dans le pays. Gonaïve. Et avec Pessalésien toujours. Okay. Et puis nous avons monté Fort Liberté. Okay. Et nous avons avec Pessalésien. Et puis nous avons disons au Cap. Non, pas avec la Fondation Vincent, avec PSA des Unions. Ok. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est dans la Tibonite, là, on a pris comme exemple, comme c'est la sortie, qui dit, moi, j'aime bien me connaître comment on fait panneau solaire, parce que panneau solaire, c'est la vie. Parce qu'en Haïti, nous, dans le pays, malheureusement, en 2018, il n'y a pas de courant 24 sur 24. Des fois, il y a un monde qui marche 10 km pour charger un téléphone, et te dit qu'il doit en dehors, Solaire, là, c'est ressource pour charger le téléphone. Non, moi, je t'aime apprendre comment faire bagaille ça pour la marcher fait par le soleil pour la vendre dans cette zone ça ou qui ça pour le faire bon regarde formation j'en ai organisé là et nous avons organisé li pour 50 monde la okay. Pile monde que nous avons organisé malheureusement parce que à cause de ressources financières que nous pas gagné okay. C'est 50 monde par département oui c'est faut monde pied coup de prendre devant là pied coup de prendre devant 50 monde par département mais si on monde t'a intéressé participer n'a gagné numéro téléphone nous et qui c'est 438-878-9802 que me WhatsApp sous lui que au catexem comme c'est pour manifester intérêt okay. Ça veut dire que numéro téléphone ça nous parlement de pour Bali encore ou deal et parce que moi connais mon Haïti utiliser WhatsApp en pile ça veut dire si monde intéressé pour participer dans formation ça monde n'a texter ou sur WhatsApp et puis vous lisez tout ce qui a inscrit pour les réserver place. Li. Oui. De qui bail numéro encore? C'est 438-878-9802. Ok. Mais pour qui ça, Isaac, ou vient à l'idée ça? Je ne connais pas facile, mais pour qui ça, ou t'es carré là au Canada, ou à vivre pour ça, ou est-ce que vous avez intention à le candidat? Non. Bon, malheureusement, je suis citoyen canadien. Okay. Et ma intention non, candidat. Non, même si je suis citoyen canadien, il y a des citoyens américains ou femmes en bas. Mais pas un problème. Vous mettez à l'aise. Pas un problème. Mais ce n'est pas une ambition politique. Moi-même, c'est plus, et je suis entrepreneur, un jeune entrepreneur, même genre avec vous. Ok. So, mais moi, problème à Haïti. Okay. Okay. Ça veut dire qu'il y a plusieurs domaines qui intéressent Haïti. Et puis, l'énergie solaire, c'est un domaine. Et puis, comme on connaît le tout, le président de la République a prôné la question de l'énergie. Donc, quel investissement qu'a fait en Haïti. Mais pardon, ça n'a pas une petite pause. Pour dire, est-ce que, en petite parenthèse, est-ce que vous essayez de contacter le président? Parce que ça, c'est une belle initiative. Si le président t'attendait là, c'est la pas bac avant. Ben, pourquoi contacter le président de la République, mais c'est, je pense c'est à travers l'émission. Lancez un message là-bas. Le président président de la République, M. Jovenel Moïse, je pense que l'initiative de son barrage, vous êtes supposé participer là-dedans parce que nous avons formé les jeunes dans le domaine de l'énergie solaire. Parce que tout investissement qu'il y a fait est supposé gagner relève. Nous n'avons pas seulement à prendre blanc à l'Haïti pour faire installation et système solaire en Haïti. C'est-à-dire, si que nous avons fabriqué panneaux solaires en Haïti, nous avons installé autour, nous avons des professionnels, nous avons des gens qui qualifient en Haïti, je pense que l'argent qui a roulé en économie. C'est peut-être ça, maintenant, c'est l'appel là avec le président. Si vous avez aidé, aidez-nous. Aidez-nous à atterrir avec formation ça, comme nous avons fait dans 5 départements. C'est-à-dire, n'importe qui vous a aidé, soit support logistique ou bien financier, aide la bienvenue. Isaac fait et ça déjà l'année passée, il décide d'année ça à faire. Moi, je vais le dire, je vais répéter encore. N'importe chef là, qui était président, n'importe monde qui a gardé ça, si nous voulons ressources pays, nous voulons graisse cochon, quitte cochon, nous sommes supposés embarquer dans ça. Le pourquoi? Isaac allait en Haïti, et exemple, ok, gouvernement aide, il a payé par exemple 1 million de gouttes, exemple, 1 million de gouttes, il construit, il aide des jeunes ça. 1 million de gouttes, ça c'est une garantie. Il va tourner avec tout le Canada. Il a bien la donne qui était la famille, il a mon Haïti. Il a bâillé. Il a dit, ah, je vais investir encore pour former plus jeune. Mais là, pour un Chinois, ou bien 1 million de gouttes, ça le fait, là, en Chine, l'acheter appareil, il fait en Haïti et puis il prend le reste comme bien de le tourner en Chine.
Est-ce que vous comprenez la réalité? Ça veut dire que nous avons des professionnels. Et je pense que le président, comme on dit, ou même on prend soleil, tout le bagage, les jeunes, ça sont jeunes, M. Tekari vit au Canada, d'ailleurs, il a un passeport canadien, même si c'est sous papier, mais il restait haïtien dans le sang, dans l'âme. C'est moun ça pour nous commencer à dire, hey, vini. Et pas question c'est formé président, mais depuis la fond, c'est pour nous encourager. Le Canada, quand on parle avant, là, on prend moun qui travaille à côté, on ne prend moun parce qu'on est beau garçon, parce que c'est famille tel. Il a cherché compétence. Mais malheureusement, dans la politique en Haïti, en pile place, où il y a moun, c'est ti famille, ti zami et tel. En tout cas, frère, mon dernier message pour le peuple là, et puis, ben nous, qui date encore, et formation ça que vous faites. Date là, c'est 16 avril au 10 mai. Okay. Mais juste, une petite précision que besoin de faire, c'est que formation ça, nous allons faire avec un Canadien. Un Canadien. Okay? Oui. C'est Grégory Lunge, qui sont professionnels qui gagnent en maîtrise en énergie. Okay. Et qui fait formation avec nous l'année dernière, qui a fait formation. C'est-à-dire, nous allons permettre à tout le monde qui a la même formation, comme si partout sous territoire. Ok, si bien comprendre, Canadien, ça a venu avant l'autre, Canadien, ils sont Canadiens de fait, on blanc. On blanc. Ok, ça veut dire que et même formation, ça, monsieur, qui travaille ici, hein, c'est comme si c'est juste. Ou pas prendre formation au Canada, mais c'est même formation que vous prenez en Haïti. Exact, exact, okay. Exact. C'est-à-dire que Canadien, ça lui-même, qui a fait formation avec nous l'année dernière, qui a une compétence là, qui a venu by chaque monde, comme si dans chaque département, même compétence là. C'est-à-dire qu'ils sont professionnels qualifiés, ils font une formation dans l'Université McGill, Concordia. C'est-à-dire nous avons besoin de faire le même format en Haïti. Mais bon, c'est une formation qui a intéressé tout le monde. Pas oublier. Et nous carrer les moins ou bien voyons texte moins sur WhatsApp. Et m'a pas répondre non à n'importe qui question de gagner ou bien si nous avons aider tout et la bienvenue. Tout est-ce que vous avez un certificat? Oui, oui. Après formation, nous avons fait mon passer un examen. OK. OK, so, juste pour nous capable en sanction de connaissances que vous acquise dans et période de formation. Un dernier message encore pour finir. Ben dernier message là, bon tout le monde qui t'a intéressé aider. Mm-hmm. S'il vous plaît, nous carrer les moins. Et pour nous dire comment nous supporter, n'importe quel lien. C'est-à-dire que nous avons comme si une machine nous mettait à disposition, nous, et, ou bien quelques batteries ou faire un cadeau, tout à PD. Numéro de téléphone encore. C'est 438-878-9802. Merci, Zach. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je pense que c'est ce genre de bagaille que nous, même en tant qu'Haïtiens, Haïti besoin. Nous besoin de genre de bagaille pour nous former tête. Puis si on a fait un carnaval, dépenser des milliards de dollars, et puis après ça, payer un style sale. En tout cas, je félicite Isaac avec toute l'équipe qui a décidé, qui a redonné en Haïti, parce que M. Tekavin là, M. d'ailleurs, le monde a dit que je suis en Haïti encore. Mais il y a des jeunes. Bon, c'est l'avenir paysan dépend de ça. Et m'a lancé un message directement avec le gouvernement, s'il le faut, le président de la République. Ou même qui dit énergie ou ap météo. On commence avec Isaac. Commencez, c'est sûr que, même si nous n'avons pas l'argent, offrir une machine à l'État, ou à faire une semaine là, nous offrir une machine à l'État, ça, une machine pour faire outil. Ça, c'est déjà aider pays. En tout cas, monsieur, tel que nous comprenons, monsieur, bah, numéro de téléphone WhatsApp là, ou même n'importe quoi, côté à fond, écrit le message, dit comment on peut aider, et c'est ça que nous besoin. Nous besoin des émissions comme ça, qui aillent chercher la crème de la crème, moun qui a fait effort ça. Et pas émission, moun qui a fait, moun qui a trompé, moun qui n'en vole, n'est pas ça qui a aidé pays à changer. Nous besoin pour mettre valeur en valeur, vous entendez? Valeur en valeur, et le comme ça, n'a pas commencé un pays, n'a pas commencé un peuple, une jeunesse. Cap si on a le dos, c'est rabot d'un petit sourire. Cap si on a dit, on a marché. Cap si on dit, on boulon mille goud. Mais là, on dit, on met connaissance dans la tête, nous, on apprend à utiliser le soleil là. On apprend à utiliser de l'eau pour mettre manger dans la poche, nous, pour mettre l'argent dans la poche, nous, pour mettre manger dans l'assiette, nous. Même Jean-Président Jovenel Moïse, t'es pour mettre lui. Rete branché, pas oublié, WhatsApp, monsieur, relé Isaac, n'a pas tourné. T'en prie pas, allez, baby, t'en prie pas, allez, t'en prie, baby.
Bonjour à tous, je suis Michrose Filosca, animatrice événementielle, créatrice de Chic Animation et coach en communication. Utilisez mes services vont vous aider à passer à un niveau supérieur lors de vos présentations orales. J'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez eu peur de parler en public? Et là, lorsque je vous parle de peur, je parle de ce moment où, avant de prendre la parole, vous avez eu les mains moites, des sueurs froides, vous avez commencé à trembler et pour certains, vous vous êtes peut-être même évanoui. Alors, si vous vous retrouvez dans un de ces symptômes, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La peur de parler en public est une peur qui est extrêmement répandue. Lorsque je vous dis extrêmement répandue, c'est que une personne sur deux aura peur de prendre la parole en public. Alors, c'est très répandu et on peut dire que c'est une peur qui est aussi présente que la peur de mourir, la peur de tomber malade. Et oui, c'est une peur qui apparaît chez les gens, eh bien, plusieurs symptômes se créent à l'intérieur de nous et ça peut même vous créer des douleurs. Je peux vous dire que c'est assez difficile à vivre. Mais c'est possible de régler la situation. C'est pour ça qu'il existe du coaching en communication. Aujourd'hui, j'ai un premier conseil pour vous. Et tout au long de mes chroniques lors du Boss Benz Show, je vais vous montrer quelques petits trucs pour vous aider à passer par-dessus ce stress qui peut vous engendrer avant de prendre la parole. Tout d'abord, qu'est-ce qui crée cette peur? C'est souvent parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de mal livrer notre message, on a peur du ridicule, on a peur de ce que les gens vont dire de nous. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je viens de dire? Est-ce que mon message va bien passer? Alors, toutes ces questions-là se jouent dans notre tête. Alors, le début du problème doit se régler dans notre tête. Mon premier conseil pour vous est de premièrement vous dire que si vous parlez en public, si vous devez parler dans peu importe la situation de votre vie, c'est que vous êtes choisi pour parler. Alors, vous devez vous dire, vous allez prendre cette position dès maintenant, que si je parle, je mérite de dire ce que j'ai à dire, je mérite d'être compris, je mérite d'être entendu. Alors, faites-le ce petit exercice où vous allez faire ce petit déclic mental pour faire comprendre à autrui que vous avez droit à votre parole et ainsi vous allez gagner en confiance pour dire ce que vous avez à dire. J'ai hâte de vous revoir lors d'une prochaine chronique pour vous en dire un peu plus. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour avoir plus de conseils ou même pour avoir une séance gratuite avec moi pour savoir comment je pourrais vous aider pour améliorer votre communication et vous permettre à vous aussi de parler avec confiance. J'aimerais aussi remercier aujourd'hui, en terminant cette chronique, ma maquilleuse Peggy Lapierre-Charles. Son numéro va figurer au bas de l'écran. Contactez-la pour un mariage ou toutes sortes d'événements où vous voulez, mesdames, vous faire une petite beauté. Alors, c'était Michrose Filosca et à bientôt, j'espère. Boss Ben Show, ça me dit là. M'a gagné m'a dit encore, non moi lig pi bon. De toutes les façons, ou pas gagne compétition. Nous camper invictus. Mesdames, mademoiselles et messieurs, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, nous t'avons bien avec nous un jeune qui, je vais dire jeune entrepreneur parce que il est toujours en bonne fait que yo entrepreneur dans tête dans main yo. Voilà pourquoi je vais vous présenter Mademoiselle Bertine, si j'ai bien dit, Bertine Boucher d'Or, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va. Est-ce que c'est ça ton nom? Bertine d'Or. Bertine d'Or. Mais bon, présente-toi, c'est à qui exactement? Mon nom, c'est Bertine d'Or, j'ai 24 ans, donc je fais des gâteaux, des pâtisseries. Ma compagnie, c'est Boucher d'Or. Boucher d'Or, OK. Quand on dit Boucher d'Or, pourquoi Boucher d'Or? C'est quoi Boucher d'Or? Ben, en fait, ça a été plus inspiré par mon nom et mon nom de famille. Donc, okay. Boucher, c'est quand tu prends la bouchée. Okay. Et d'Or, ben, à cause que mon nom de famille, c'est d'Or, donc Boucher d'Or. D'Or, OK. OK. Ça veut dire, ça fait combien de temps, toi, tu fais ça? Ça fait, en fait, un an et demi que j'ai commencé à faire ça. J'aime le challenge, en fait. J'aimerais vraiment ça que ça évolue. Mm-hmm. Puis que j'aille à la pâtisserie, justement, puis que je puisse avoir une entreprise qui okay. me fait vivre. Ça vient d'où? Est-ce que ta mère faisait ça avant ou... Mais c'est sûr que ma mère, elle fait des gâteaux chez nous, mais mm-hmm. Ça vient d'où? J'ai toujours aimé la pâtisserie, faire la cuisine, etc. Mm-hmm.
Donc, ça a commencé... Juste comme ça? Juste comme ça. Mais est-ce que tu as des amis qui font la même chose ou... Non, je suis la seule dans mes amis qui fait de la pâtisserie. OK. Mais est-ce que, dans ton entourage, est-ce que tes amis t'encouragent? Ah, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne veux pas travailler? Ça va... T'as jamais vu ça? Ben, j'ai de l'encouragement, oui. C'est sûr qu'il y a certaines de mes amies qui sont un peu, comment dire... Sceptiques? Oui, un peu sceptiques. Mm-hmm. Mais j'ai beaucoup d'encouragement, surtout c'est famille. Bien. Et, mais toi, tu fais quoi exactement? Tu fais quoi comme... est-ce que c'est juste gâteau? Moi, je ne connais pas les noms. Bon, dis-moi, non, bah, yo, bah, non, yo. Parce que moi, c'est gâteau, me dis, gâteau. C'est sûr que ma spécialité, c'est les gâteaux. Mais tu sais, je fais des cupcakes, des cake pop, tout... cupcake. C'est cupcake, c'est quoi? Ouais, cupcake, c'est un petit gâteau. OK. Puis je fais d'autres choses, des cake pop, j'ai des tables à dessert pour les mariages, tout événement, en fait. OK, toi, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est sûr que j'ai ma pâtisserie. Puis, il y a des gens qui travaillent pour moi. Combien de personnes comme ça? Beaucoup. Mais il ne faut pas se limiter. Normalement, moi, il y a quelqu'un qui te regarde là, présentement. La personne vit au Québec ou au Canada. Il dit, bon, je t'en remets. Et vous, moi, parce que faut y aider, je t'en remets en courageux. Mais la personne doit faire quoi? Comment te contacter? Je sais que tu es vraiment sur les réseaux sociaux aussi. C'est plus sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sinon sur mon courriel. Mais principalement, c'est sur Facebook, sur ma quoi, page. Quoi? Ma page, ça s'appelle Boucher d'or. Boucher d'or. Et il n'y a pas de téléphone, tu ne donnes pas ton numéro? Numéro de téléphone 514-773-9307. OK. Et est-ce que. Tantôt, tu disais que tu as 24 ans. Je vais me demander l'âge. Là, je n'ai pas de problème. Non, c'est bon, je te dis ça comme ça. Est-ce que tu as un message à donner à cette génération-là? Parce que, avant, là, toi et moi, maman, nos papas, nous, ils ont fait que venir au Canada, ils n'ont pas d'intention de venir en pile là-dedans. Fait business. Parce que imagine-toi à 24 ans, moins que 24 ans, tu as commencé quelque chose, mais c'est un genre de whisky vu tout. Parce que tu as dit, mais est-ce que ta mère t'a jamais dit, mais pourquoi tu fais ça, va à l'école, vas-y, non, jamais dit ça. Oui, c'est sûr. Okay. Mais elle m'encourage vraiment dans mon choix. De ça. OK, pour continuer la question, est-ce que tu as un message à donner à cette génération-là de se lancer? Le message que j'ai à donner, sérieusement, clairement, c'est de faire confiance à Dieu, puis ne pas avoir peur des défis. Oh. Le numéro de téléphone ensuite et l'adresse encore sur Facebook pour te contacter. Numéro de téléphone 514-773-9307 et la page sur Facebook, c'est Boucher d'or. Merci beaucoup. Nous sommes avec nous, Bertine. C'est Bertine. Bertine, c'est MKD PDG et Boucher d'or. Il m'a tout félicité. Il m'a dit que je souhaitais que dans 5 ans, elle tourne dans Boss Ben Show pour dire que, au songe dans Boss Ben Show, je t'avais dit dans 5 ans, je me voyais à tel point. Et non seulement de passer le point, Patrice Rian, de dépasser parce qu'il ne faut jamais se limiter. Il dit ça déjà. Puis quand j'ai peur pour lancer, sous peur pour lancer, ou pas, j'aime réussir. Et t'es broché. Hi, my name is Bradley. I'm from Florida, and you're watching Boss Ben Show. Hey, I'm Chuck Liddell, the Iceman, watching Boss Ben Show. Nous disons merci à tout le monde qui sponsorise nous, qui cause que nous-mêmes nous toujours existons. Pas oublier, nous toujours dire que Boss Ben Show est à la recherche d'une jeune fille vivant en Floride, âgée entre 20 et 27 ans. Sous 20 et 27 ans, on va vivre en Floride. Ou entrer en contact avec nous par Facebook pour une nouvelle capsule dans Boss Ben Show. Et pas oublier, le week-end qui va venir là, c'est 17 mars prochain, 7e année Orlando Caribbean Festival. Là. Boss Ben Sapla, ou même qui pour un ticket, relez-vous dans 1-888-507-2230 pour ou même pour appeler pour un ticket. Ou sinon, car les sociétés internet qui c'est www.orlandocaribbeanfestival.com. N'ap salye d'Haïti à toute équipe là qui a fait un gros travail. Mes amis, en félicité, en encourager tout ça qui est bon. Rendez-vous en c'est l'allié. Boss Ben est habillé par Tuxedo Plaza, ou qu'on est déjà, par une taxe qu'a payé. On prend un aller dans Tuxedo Plaza là, dit c'est Boss Ben, ce qui vous est, sinon Boss Ben Show. Bijouterie à vous. Aïe, aïe, aïe. Sous les bagages, ça, on a même là. C'est bijouterie. Avoyoye, ou même qu'a fiancé, qu'a marié, ou même qui voulait acheter un petit chien, un petit gourmet. Pour madame, pour ménage là, pour monsieur, aller dans la bijouterie à vous. Sous elle, comme ça, c'est Réul Design. Réul Design, c'est. Il y en a plus gros salon qui est là, on va yoye, sous Montréal, là, c'est son super store. Ce sont monde qui remet comme une auto, il faut aller dans Réul Design. Réul, n'est pas, moun sérieux, Réul ou toi gentil, Réul. Ouais. Réul, c'est un adonis dans la tête. Et ensuite, nous avons Garage, l'amitié, qui fait débossage, qui fait carrosserie, peinture.
mécanique générale pour tout le monde. Pas oublier au lieu allons l'autre côté relé kounya garage l'amitié et puis c'est boss men qui voyez en encourager la caille c'est la caille téléphone c'est 54 973 2965 adresse c'est 10461 avenue Pigeon à Montréal là à l'encourager et nous pas besoin bouquer dit nous avons bouché d'or qui fait petit gâteau pour toute occasion encourager la jeunesse elle a jusque 24 ans li veut faire bagarre l'autre gens au lieu mal prendre non l'autre nationalité relé elle bon. Il est très professionnel. C'est vous n'a plein pour ancien mounyo, mais moun sa yo là y a fait l'autre bagaille. Faut nous respecter tout ancien entrepreneur que nous gagne dans communauté nous, mais faut nous valoriser tout ti jeune yo, jeunesse qui est ce qui parle mes gâteaux. Relé le kounia là dans 5 4 7 7 3 93 07. Dis c'est dans Bosman Show moi. Même sous pas relé pour ballon comment dire, hey, je t'ai vu dans le Bosman Show, félicitations. À 24 ans ou pas dans prison. À 24 ans, ou a fait bagaille qui sérieux, encourager jeune ça. Et nous avons Abba 3 ans Pini qui dans Epiphanie. Relé mes amis. Au lieu pas chanti viande par 20 30 dollars, allez achetons cabrit vivant, achetons mon sou cabrit. Ça qui belle acheter maintenant là, il y a petit li là-bas où, alors il y a tuer là-bas où, après j'ai viande fraîche. Là arrive l'autre bois, dit hey, c'est boss Ben Sui. C'est dans boss Ben Sui, mon téléphone là qui c'est 450 588 34 39 là et ça fait me carrelé à Abattoirs, Zampini et Brand Tony. Nous a supporter nous faut nous féliciter auto. Pour machine, li relé style auto. Moun sa yo, yon a 4-5 boulevard quartier dans Laval là la, pour achat, pour vente, pour échange. Même si pas gen crédit, yon pas refuse yo. Même si tu fais faillite, yon accepte au cas où les machines go vle ya, de bou gon ti moyen pour payer. Même si fait vin Canada là, surtout haïtien qui sont aux États-Unis yo, ou t'as bien vivé ta journée des machines à bouler, ou rive koun yon pas gen crédit, de pou ap fait ti job ou lo ka rele koun yon a 450-686-98-86. Sak pi bel la. Sou pa kon adresan du tout, y a besoin ni crédit dans métro métro quartier a, y a prend rendez-vous, y a vinn chercher dans métro quartier pour aller visiter machine yo pour faire essai à jour. M'gen moun que m'voye déjà yo satisfait. Ou sinon aller kounya sou www.styleauto.ca. Pa oublier Bosben nou là, n'a chercher pour communauté nou tout ça qui bon. Dat n'a bay en pile lan yo y a prend l'argent nou, rien pas retourner. Faut faire retour d'ascenseur là. Voilà pourquoi m'a dû aller dans style auto. Et nous avons Fonpano informatique pour toute bagaille qui gagne pour avec cours informatique. Vous besoin acheter ordinateur, toute bagaille qui lié à informatique, relève Fonpano Kounia dans 514 379 1877. Et pour faire la promotion dans le Boss Ben Show, ou kon numéro déjà ou elle relève nous, sous ka wè nous, sous ka garder nous côtoyer la Kounia, ça veut dire qu'ils sont ka vendre tête tout. Dans chose ça même Jean Orlando Caribbean Festival fell. Rete branché. C'est Baba qui là. Son plaisir pour me dire nous toutes que quand on rencontre à Boss Ben à soir, il Boss Ben show, son show me toujours suivre. Ciao. Bon après-midi mesdames et messieurs, encore une fois un plaisir d'être parmi vous. Une autre opportunité de devenir propriétaire pour moins cher qu'un loyer. Nous allons voir aujourd'hui un condo situé au 327 boulevard Gérobel à Saint-Jérôme. Elle est à 127 400 $. C'est dans le quartier, le secteur de Bellefeuille. L'année de construction, une 1998. 7 pièces, 2 chambres à coucher, 1 salle de bain. La superficie habitable est de 837 pieds carrés. L'immeuble est de 3 étages avec 6 unités de condo. L'unité qui est à vendre présentement, elle est située au rez-de-jardin. Voici la liste des équipements ainsi que les services. Un espace de stationnement, un espace de rangement côté terrasse arrière, une grande terrasse arrière côté soleil, de vastes espaces à air ouverte très ensoleillés, comprenant cuisine, coin repas et salon. Une large fenestration. Chambre à coucher principale est dotée d'une grande garde-robe. L'emplacement est de choix et près de toutes les commodités. Épicerie, magasin, centre d'achat, école primaire et secondaire, ainsi que garderie, CPE, parc, piste cyclable. Elle est à proximité d'une petite rivière. Elle est idéale, pour couple, personne seule, petite famille. Une visite et vous serez en amour. N'hésitez pas à me contacter. Moyen le plus rapide, direct, Instagram, @JacquesTanis.
À qui la chance? It's now or never. C'est maintenant ou jamais. La chronique d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons voir une propriété totalement différente. C'est une magnifique maison construite par le propriétaire. Elle est située au 186 rue d'Alexandrie à Vimont, à Laval. Attention, elle est à plus de 675 000 $. C'est une construction de haute qualité. Revêtement en pierre des quatre côtés extérieurs. Garage double. L'année de construction est une 2011. Cette propriété comprend 17 pièces, dont 4 chambres à coucher, 2 salles de bain et 1 salle d'eau. La superficie du terrain est de 5235 pieds carrés. Le sous-sol fait plus de 6 pieds. Elle est partiellement aménagée. La propriété comprend un échangeur d'air, l'installation pour l'aspirateur central, système d'alarme, thermopompe centrale à air soufflé. Tous les planchers sont en bois. La chambre des maîtres avec salle de bain attenante avec un grand walk-in. Système de sécurité avec 7 caméras pour cette propriété-là. La cuisine est d'une grande beauté avec des comptoirs en granit, backsplash moderne. Il y a aussi un grand îlot avec place pour un cellier à vin. Les plafonds sont de 9 à 10 pieds de hauteur. Le sous-sol est aménagé à 90 %. Il reste seulement que les planchers et quelques portes à finir. Il y a un préfilage pour les haut-parleurs encastrables au plafond. Tous les étages, il y a un double garage avec sortie extérieure. La cour est clôturée avec un aménagement pavé uni. L'emplacement est de choix et près de toutes les commodités. Parc, transport en commun, école, centre d'achat. Son concept particulier vous accrochera. Idéal pour couple, jeune famille, personne seule, famille reconstituée. Un coup de cœur et vous serez charmé. N'hésitez pas pour me rejoindre. Un petit message sur mon compte Instagram @JacquesTanis. It's now or never, et bonne semaine, mesdames et messieurs.
Hey man, Junior rigolo. Ou est Boss Ben Show ça? Li tellement lou ou pas ka download li. OK, Boss Ben Show. Jingle. Ici du Carmel Sirius, l'ancien champion mondial en kickboxing. Quand j'ai envie de me connecter et de m'informer, je me branche au Boss Ben Show, le nouveau champion mondial. Qui j'en ouvre, je suis content encore pour montrer la caillou avec plus belle sourire maintenant. Pour me dire que je suis avec un nègre là, je ne suis pas un mairie, il n'y a même pas un problème. Non, c'est les en fait. Ah, mais nous là, nous en forme. En forme, oui. Mm-hmm. Bah, toujours. On revient plus chauve. Bon, c'est Paul pour poser question ça. Bon, Lili, et normalement, je suis un bel sujet là. Mm-hmm. Et il y a un nègre qui marie avec une dame. Pour commencer, le sujet est toujours bel. Grâce à Dieu. Mm-hmm. Nous avons un bel sujet encore. Mm-hmm. Encore. Bon, il y a toujours bel, bravo. Et oui, mais encore. Marie a trompé madame avec une autre dame. Ça veut dire que là, elle fait bagage sur lui. Et puis madame n'a tellement énervé, il dit oh tu m'as trompé. Pour madame n'a dit ok so, on pensait que c'est au même garçon, soit fait non pas le fait même bagarre. Marie a fait une trompé, pour madame n'a fâché. Là le trompé Marie à un nèg. Pendant la trompé elle est tout enceinte. Mariage crasé. D'après vous même, il dit qui est-ce qui crasé mariage ça? Femme non. Oh, ou pas quand écrit tu dis femme non faut élaborer comment femme non. Femme non. Pour commencer, lorsque ces femmes, ces non-femmes ou beautés, il faut qu'on réagisse en femme, il faut qu'on fonctionne en femme. Ça veut dire qui ça? Pour mettre en mode de femme. Ça veut dire qui ça? On connaît, bien que je ne suis pas tellement bien aimé dans le monde, mais on dit depuis la création, c'est l'homme bon Dieu était créé avant. Et puis, il vient de toute faille, toute bagaille qui est dans l'homme, il vient de créer un modèle qui peut bien performer, qui relie la femme. Qui cap oui mm-hmm. Il vient créer la femme. Ça veut dire que bon Dieu fait créer l'homme, oui, et puis il ouais green fine dans l'homme, trop fine dans l'homme, et puis il a créé un modèle, qui plus bon, qui plus bon. Oh, ça veut dire qu'on est d'accord femme plus que garçon, parce que vous êtes d'accord, on dit pas égalité entre fille et garçon. Ça veut dire non, il femme plus supérieur que garçon, vous voulez dire là, ouais, tomber dans fatra là, parce que ça de bien ça me dollar pour qu'on concentre sur ça m'a dire. Alors, me dit que. Mm-hmm. Alors, parce que même on cap dans douleur, on femme capra. Non, nous ne pouvons pas entrer dans ça. Ah, ben c'est la pas même chose. Pas oublier, on a vu dans la société. Femme égale à garçon. Qui bon? Dans tout le monde là. L'aime mourir. Pour moi, non. Ah, elle aime mourir. Ça veut dire que c'est l'égalité entre filles. C'est moun. En ça veut dire que femme est supérieure à garçon. Qui bon? Mais où dit, yo, Lili, où dit. Regrettez dans le cadre que m'y a voilà là. Moi dis que il va dans 4 ça pour pas dans l'autre 4 là. Il était dans 4 mois hier voilà là. Dans 4 mois hier voilà là, moi dis que bon Dieu gardé, li wè toute faille il était fait dans l'homme, pas oublier ce premier modèle là, on voit. Pour dire bon Dieu gardé, li wè faille. Puis je n'ai les son gros barre on dit là. Gros gros net. Et me dit comme des. Bon Dieu fait faille. Oui. Ah tout et pour ça on voit tout qu'on a fait fly comme ça. Ouais même nèg non tellement ici on a fait fly. Il est avancé. Donc ce qui fait que alors il crée un modèle qui est plus performant dans le sens que qui est supporter plus, qui est capable. C'est comme il n'a pas les déjà à place là, moi c'est femme liée en réalité, parce que bon Dieu crée les balles plus force, plus courage, il fait épaules plus robustes pour le supporter et pour le gérer mieux même. Alors ah, mais ça, non, gestion avec crise, l'homme. En gestion crise. Au moment des soins pas d'accord. En gestion crise, alors quoi, je fais appel à la femme là, ça passe. Si nèg là pour X ou Y raison. On voit l'été ouais plus à devant qui tête li là les là font bagarre avec une femme peut-être qui va même gain capacité madame ni gain hein? Donc il fait erreur fort femme là capable gérer crise là capable gérer situation pour le connaître parce que à la fin de la journée là nèg la doit partir la tourner la caille là que vous voulez pas et c'est le contraire d'une femme alors fort femme là lui même s'il toujours voulait nèg la chita la gérer crise là surtout si gain ti moun en cause si gon paquet bagarre mais c'est nèg la commencer alors et nèg la commencer tromper là. Comment on fait dire ces femmes là qu'on y a qui viennent qui victime encore les premièrement le victime des nèg la tromper et deuxièmement les victimes des on l'autre petit sur la grenadelle qu'on y a au dire c'est qui l'autre petit de la grenadelle non mais on pas comprendre et femme là tromper sans écoute nèg la vient tromper les victimes oui qu'on y a même là je ne l'autre nèg qu'on y a même les victimes encore les victimes deux fois et pour dire c'est quand les mecs fait victime comment victime non moi dis que
femme là pas gagne aucune victime pas gagne aucun qui est qui victime qui est pas victime là nèg là font erreur femme là venir le ramener c'est pour ça là wall femme là c'est pour ça chercher équilibre alors les gars les maril les mettre chita pour chercher contre qui ça passé pour qui raison qui ça pas bien passé dans caille là l'elle fin connaît à ce moment là la prend décision mais depuis on femme depuis vling bending soit qu'elle prend qui courir coucher mari son mari coucher me là déjà on va dire que dans ça dans plan c'est pas un genre si me comprenne bien. Et une femme qui pas même si Marie a couché à l'autre femme 10 000 fois, s'il n'a tête lissée pour lui même respecter tête lissée, il va pas le faire ça pour le correspondre. Pas de 10 000 fois. Moi dis que. Non, c'est un exemple bon. Oui, même pas de 10 000 fois. Si femme non, qu'on est gon faille. Par exemple, chaque fois où on est bon, ben on parle en vrai nég, oui, qui où est ailleurs, qu'on est son faille qui gagne à gagner par la gaille. C'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. Ok, brise la. Les sous campo dit chaque fois on est galway. Les en toi puis moi et garçon oui. Nous arrivons là, nous exemple nous arrivons Las Vegas. Oui. Nèg a boue ta fia là, belle ambiance ta bagaille, nèg pas une côté vie, dit bon, ils me font la gueule la pape, moun pa konnen. Et pas son bagaille, bagaille la caille. C'est pas vrai. Et pas vrai. Et pas vrai, gen nèg qui pa fèl. Ah. Gen nèg pa fèl. C'est me dit gen nèg ka fèl. Alors ça si ça arrive, ça arrive parce que nèg là dans tête dit ah, mon chè pa fon volop. Mais j'ai des filles. Tendez, les filles ka fèl. De nos joueurs femme qui fait le plus oui. Écoute les on va généraliser quand même plus là. Mais les gars des filles qui a fait 5 ans, il était commencé une relation sexuelle, il vient des problèmes avec Maril. Il fait 5 ans pas en vain. Mais la difficile. Non, est-ce que me dit pas que alors, mais la plus difficile. Pour ça plus difficile. Parce que même pas la bonne femme yo connaît au cas histoire, il y a histoire. Gen nèg qui puis qu'après t'es plus. Bon d'ailleurs même qu'on pas qu'être nèg qui commence relation ça va marcher, nèg yo rete en eux même yo dit attend nos bonnes femmes. Gen là de même qu'on a pas m'aidé. Même dit on attend Jésus tourner et m'a pas m'aidé. Donc ça n'a aucun rapport. Moi-même, je dis que je dis là. Vous pensez qu'il fait plus t'entendre qu'il y a une fille? Oui, je suis capable. Je suis capable, mais il pas aujourd'hui, non? Je suis capable. Il pas aujourd'hui. En toi, puis mon question, on va répondre. Ça veut dire ou même, ou quand vous commencez dans une relation, ou quand vous faites 3 ans, vous ne pouvez pas faire un. Mais, et moi, que j'ai dit, alors, désolé. Pourquoi tu as avancé, Lélène? Ok. Alors, de nos jours, il n'y a pas fait attention. Le monde a changé dans mon là. Oui, je me sens ça. Le monde a changé dans mon là. L'histoire, où est-ce qu'on répète pour les gens, c'est pour les femmes qui répètent pas moi. Pas pour eux, pas généraliser, Kalele, en pile là-dedans. Vous pensez que c'est les femmes qui crasent le mariage là? Oui, définitivement. Même si les gens ont commencé avant. Définitivement. Mais les gens, faut-il logique capite. Si les gens n'ont pas fait ça, les femmes n'ont pas besoin de faire ça. Pas fait ça, mon cher. Depuis que les femmes ont couché, son mari a couché là déjà, il est dans un plan déjà. C'est pas parce que les gens oh, mais non, non les là. Dit, l'homme est bon, ben, la société est corrompue. La société qui le corrompt. Eh ben, c'est ça. Alors, moi, je suis l'inverse là. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est un être déchu. L'homme est mauvais. Ça, c'est le jansénisme. Ah oui. Ok. Les ça veut dire, il est si un garçon change en fille, son fille change en garçon, d'accord? Bah, d'accord. Ok, Lili, vous m'êtes fini. Bah d'accord. Alors, moi-même, je dis que m'avance c'est plus simple, je dis ces femmes, non. Surtout, mon mari couché là, je dis que c'est pas parce que les nègres couché ou quoi que ce soit. D'ailleurs, de toute façon, pas grand-chose que les nègres femmes n'ont pas fait ce coup douce déjà, parce que depuis qu'elle était levée, les nègres couché là, elle dévangeait. C'est que c'était déjà dans la tête. Moi-même, je confronte les gens déjà. Moi, un peu là-dedans déjà. Dans l'environnement, pas nous-mêmes. Qui dit, moi-même, depuis qu'on fait un nègre couché, m'a couché tout. Non, non. Fils, ça, il dit que un plan dans la tête déjà pour le coucher. Un point, un trait. Alors, il cherche ça comme excuse. Et peut-être, c'est pas, il prend ça comme alibi. Mais à faire, t'as fait déjà. Parce qu'on femme qui femme, non, Marie fait ça. L'après les Maria, la chita avec elle. L'a dit chérie, ça a passé. L'a mette chita, l'a expliqué avec elle. L'a tendu Marie. Si, selon sa Marie, balia, il vient de son menti à ta balie. L'a analysé le boulconnet, qui décision qu'a prend, qui pour permettre ça pas répéter encore. Un point, un trait. Et c'est Wolf femme. Non, non, c'est l'île familiale. Tout le monde veut pas parler, c'est ça, ou ça. Merci, Lili. Oui, monsieur. En tout cas, moi-même, ça m'a dit, malheureusement, quand une bonne fille, des fois, il dit, il va le ranger. L'orange, elle est arrivée à dire non musique. L'on pense que yon faut souffrir pour le faire moun souffrir. C'est tête ou faire souffrir. Parce que l'on va être devant, non, ou elle va chivoquer là, c'est pas un nègre là, c'est ou même qu'elle blase tête ou. L'on dit comme si, m'a le faire monsieur payer, m'a le faire monsieur payer bouchli. Non, ou elle va faire devant payer parce que, et pas monsieur. Estime de son la kawa, valeur gen la kawa, c'est la kawa liye. Soit le marché by 10 nek, 20 nek kouchou, pour faire monsieur, non pas faire monsieur payer, ou faire tête ou payer, ou pas avec les alliés, voilà pourquoi elle tombe ou elle prend petit, ou pour maladie tout. Moi, je toujours dit, normalement, je dis, les dit c'est femme qui cause que couple en crasé. Moi, je dis, premièrement, garçon qui commence, pendant qu'elle commence la fille, pas son regard, pas son sort, il faut dire, oh, ou pas laisser, non. Ou t'es qu'à décider de quitter monsieur. Lorsque vous décidez de quitter monsieur, ou décidez de quitter ou même vous décidez de quitter.
mon pas quitter ah moi pas faire monsieur payer n'en fait payer son petit tout prend ou t'es capable un gros maladie grave il dit un gros bagaille ça seulement comme connait le dire qui bon un garçon caldeo là fait ça le fait mais il connaît le gros femme sérieux la cali m'pas bail garçon liberté pour aller faire ça garçon pour aller là là chill chill là Las Vegas civil tourner mais il quitte madame la tourner la cali mais malheureusement pile dans fille malheureusement ces garçons même parler pour garçon yo le aldeo yo remé tout ça qui fait oh dès que je parle avec lui parle avant parce qu'il beaucoup coucher ou lui parle avant parce qu'il beaucoup joindre ça le besoin depuis c'est les depuis vienne joindre il traite ton l'autre gens allez restez branché n'a pas tourner m'a pas quitter les parler bon regarde Arbiad si c'est Aïssé ou je suis plus garder Boss Bench Show parce que c'est le best. Cessez de se laisser distraire par des choses qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Ma fine, monsieur, ça pour m'dou. Pas quitter moun, à distraire avec bagay qui pas rien pour vous avec objectif. M'doujou dil. Si vous voulez aller New York, ou là, Montréal, ou prenez route là, ou prenez en direction vers le sud, parce que nous dans le nord, dans le Canada. Si y a pas les bagages qui dans le nord, il pas intéressant. Si y a pas les bagages qui en bas, pas intéressant. Ça qui est intéressant, c'est bagages y a parlé de New York. Si par exemple moi me quitter le Canada et puis moi dire me prend le grand tempête de neige demain et me prend route pour m'a conduire pour mal New York, c'est que le Canada, c'est Québec qui va le tempête de neige là. Pas besoin rester distrait là pour m'a perdre du temps. C'est pour m'intéresser avec bagages qui gagne dans le sud des États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Bagages qui dans New York. Mesdames et Messieurs, nous sommes M. Jean-Michel Benz, Boss Benz, qui était content pour te rentrer à la caille, pour te présenter une belle émission, ça, avec toute belle conseil. Vous pas oublier, nous remons en pile. Voilà pourquoi nous prenons temps chaque semaine pour nous porter une autre show pour une autre émission pour vous. Nous allez. Bonne semaine. Jésus, be fort.